Son nom est Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Dans son discours, il a déclaré avec détermination: revenant au domaine donc de l'agriculture, comme vous pouvez le constater, nous avons lancé des initiatives depuis 2023 et cette année, l'offensive a été lancée. Ça se passe plus ou moins bien. J'aimerais donc que les gens comprennent que nous avons décidé d'accorder une grande part de notre budget et de notre temps aussi au monde agricole. Parce que plus de 90% de notre population est paysanne. Mais pendant des décennies, ils n'ont jamais senti l'intéressement donc à leur public. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives, d'actes que nous posons. Nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'ONBA, l'Office national donc d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons beaucoup de retenues d'eau, beaucoup de barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Nous allons poursuivre ce combat. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim. Avec une vision claire et des plans concrets, le président Traoré a promis d'investir massivement dans l'agriculture, en modernisant les infrastructures, en augmentant l'accès aux technologies agricoles avancées et en soutenant les petits exploitants à travers tout le pays. Nous allons rendre nos terres plus fertiles, nos récoltes plus abondantes et nos agriculteurs plus prospères, a-t-il souligné, soulignant l'importance cruciale de l'agriculture pour l'économie nationale et la sécurité alimentaire. Il a également mis l'accent sur l'éducation agricole et la formation professionnelle, visant à préparer la prochaine génération d'agriculteurs burkinabés à relever les défis du futur. En investissant dans nos jeunes, nous construisons un avenir où l'agriculture sera non seulement une source de subsistance, mais aussi un moteur de développement durable et inclusif, a-t-il ajouté. Le président Ibrahim Traoré a conclu son discours en appelant à l'unité nationale et à la collaboration internationale pour transformer collectivement le secteur agricole du Burkina Faso. En travaillant ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs qui amélioreront la qualité de vie de chaque citoyen burkinabé et renforceront notre position sur la scène mondiale, a-t-il affirmé, suscitant l'espoir et l'enthousiasme pour un avenir agricole radieux pour le Burkina Faso.